Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tour de mentalisme. Vous allez voir qu'il est vraiment incroyable. Donc j'ai découvert ce procédé par hasard que je ne connaissais pas encore dans un livre de Bob Hummer que je suis en train de lire. Donc Bob Hummer pour moi c'est vraiment une référence absolue, vraiment. Il a créé des tours incroyables. Et je suis tombé sur ce tour qui s'appelle Hummer Little Stranger. Et c'est vraiment incroyable. Donc je pense que ça fait partie de mes top 10 de mes tours préférés. Donc en plus c'est un tour impromptu. Vous avez juste à préparer 4 enveloppes. Voilà, c'est tout. Vous n'êtes pas obligé de prendre des enveloppes, mais moi je prends des enveloppes pour que ça soit mieux pour la routine. Et vous allez vraiment pouvoir faire un miracle en effectuant ce tour de magie. Donc je vous préviens tout de suite, c'est pas un tour qui est facile à faire au départ. Vous allez penser que c'est difficile, mais pas du tout, à force de le faire. Moi, je le fais tout seul, je m'entraîne tout seul à le faire. Et au bout de 4-5 fois, j'ai bien compris le système. Donc ça va vous paraître peut-être difficile au départ, mais vous allez voir, ça ne l'est pas. Donc vous prenez un jeu de 52 cartes, vous faites mélanger le jeu par le spectateur. Et vous lui demandez de prendre 15 cartes au choix. Donc il peut prendre les 15 cartes au-dessus du jeu, dans le jeu, peu importe. D'accord? Donc il mélange bien. Et il prend 15 cartes. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il repose le reste du jeu. Vous vous tournez. Vous lui demandez à ce moment-là de séparer les cartes noires des cartes rouges. Donc vous ne savez pas, bien évidemment, le nombre de cartes noires et de cartes rouges à ce moment précis. Et vous demandez au spectateur de placer les cartes noires dans l'enveloppe numéro 1. D'accord? Donc là, je vais les mettre dessus, mais normalement c'est à l'intérieur, et vous demandez de placer les cartes rouges dans l'enveloppe numéro 3. Ensuite, vous lui demandez de compter le nombre de cartes rouges qu'il vient de mettre dans l'enveloppe, 5 il en a, et de prendre ce nombre de cartes ici sur le reste du jeu. Donc il va prendre 5 cartes, 4 et 5. Et pareil, vous allez lui dire de séparer les cartes rouges des cartes noires, ici. Donc vous lui demandez de mettre la carte noire dans l'enveloppe numéro 2 et les cartes rouges dans l'enveloppe numéro 4. Et à ce moment-là, vous retournez, vous prenez les cartes en main, et vous l'aurez compris, vous allez pouvoir deviner le nombre de cartes noires dans chaque enveloppe et le nombre de cartes rouges dans chaque enveloppe. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte du fort de ce tour, mais vous ne savez pas combien de cartes noires et de cartes rouges il a pris dans les 15 premières cartes, d'accord? Ensuite, il a pris un certain nombre de cartes, et vous ne savez pas encore le nombre de cartes rouges et de cartes noires qu'il a pris. Donc quand j'ai vu ce tour, je me suis dit c'est pas possible, comment faire pour deviner le nombre de cartes noires ou rouges dans chaque enveloppe? Et quand j'ai vu le procédé, j'ai dit mais ce Bob Hummer, il est vraiment fou quoi. Donc là, grâce à ce paquet-là, vous allez pouvoir tout savoir, d'accord? Vous allez pouvoir prédire le nombre de cartes dans chaque enveloppe. Donc comment faire pour retrouver exactement le nombre de cartes rouges et noires dans chaque enveloppe? Donc vous prenez votre jeu et la première chose que vous allez faire, vous allez compter le nombre de cartes noires. Donc vous faites passer les cartes comme ça, face vers vous, et vous comptez le nombre de cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Vous comptez secrètement. Donc première étape, comptez le nombre de cartes noires. Donc nous avons compté 15 cartes noires et vous allez soustraire ce nombre de 11 tout le temps. Vous prendrez toujours le nombre 11, ce qui nous donne 4, d'accord? Ce 4 va vous indiquer tout le temps, donc ça va falloir vous rappeler du sens, il va pas falloir vous embrouiller. Donc ce chiffre 4 va vous indiquer le nombre de cartes rouges dans le paquet numéro 4. D'accord? Effectivement, nous avons bien 4 cartes rouges. D'accord? Donc pour vous aider à mieux comprendre le procédé, je vais marquer sur un papier le nombre de cartes que j'ai trouvées à chaque fois. Vous allez mieux comprendre ce qui se passe ensuite pour le reste des calculs. Là, je sais que j'ai 4 rouges ici. À partir de ce chiffre-là, vous allez compter toutes les cartes dans votre main. Donc vous allez compter à partir de 4. Donc vous faites 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Vous avez 35 cartes. Et pareil, vous allez soustraire ce chiffre à 36. Ça sera toujours 36, d'accord? Première étape, c'est 11. Deuxième étape, c'est 36. Soustraction à chaque fois. Vous tombez sur 1. Et ce 1 va vous indiquer cette fois-ci l'enveloppe numéro 2. Donc on a commencé à trouver en premier l'enveloppe numéro 4 avec les cartes rouges. Et ensuite, ça sera toujours l'enveloppe numéro 2 avec les cartes noires. Je sais qu'en faisant la soustraction, j'ai trouvé 1.
et je sais qu'il y a une carte noire ici. Ensuite, pour trouver le reste des deux enveloppes, vous allez voir, vous n'avez plus besoin des cartes. D'accord? Donc, vous allez faire 4 et 1 cette fois-ci. Ça, c'est la troisième étape. D'accord? Donc, il faudra bien retenir le nombre que vous avez trouvé ici et ici. D'accord? C'est simple. Vous additionnez le nombre de cartes dans l'enveloppe numéro 4 et le nombre de cartes dans l'enveloppe numéro 2, ce qui vous donne 5. Et là, on revient encore au rouge, à la révélation de la carte numéro 3. Donc, ça sera toujours en premier. Rouge, noir, rouge, noir. D'accord? 4, 2, 3, 1. Rouge, noir, rouge, noir. Donc si je fais 4 et 1, on tombe sur 5. Et là, je sais qu'il y a 5 rouges. 1, 2, 3, 4, 5. Et pour trouver le nombre de cartes dans l'enveloppe numéro 1, vous prenez ce résultat-là. Vous voyez, à chaque fois, on prend toujours le résultat et on fait quelque chose après. Donc là, vous prenez ce résultat-là, ce 5. Donc là, vous prenez le total que vous avez trouvé, 5. Et là, vous allez soustraire à 15. 15, c'est le nombre de cartes qu'on lui a demandé de prendre au départ du tour. Ça sera toujours 15. Et ça va faire 10. Et là, vous savez que dans l'enveloppe numéro 1, il y a 10 cartes noires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est magnifique. Vraiment, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais là, je vous propose un tour de mentalisme de fou. Donc, je suis content de vous le proposer parce que moi, je l'adore vraiment. Et j'espère que vous aussi, vous allez l'aimer autant que moi. Un petit détail que j'ai oublié de vous dire. Quand vous allez compter le nombre de cartes noires, vous allez devoir soustraire à 11, d'accord? Si vous trouvez 11 cartes noires, donc ça fera 0. Donc, vous commencerez à compter à partir de 0, d'accord? Vous ferez 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à la fin, d'accord? Voilà, j'espère que j'étais le plus clair possible. Je pense que oui. Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser des questions. Je réponds tout le temps aux questions. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette bombe. On peut dire que c'est une bombe, hein, vraiment. Je pense que vous me le direz dans vos commentaires. Voilà, j'espère que ce tour vous a plu. Je vous dis à bientôt les amis. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé, à vous abonner et à laisser des commentaires si vous en avez envie. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tours. Merci à vous.